Bonjour les amis, comme vous l'avez vu dans le titre, ça fait 3 ans et demi que je cherche cette vidéo. Il y a 3 ans et demi, pour ceux qui savent pas, en fait j'ai participé à un concours organisé par Yop et Fun Radio. Et en gros il y avait un concours pour les jeunes talents, les jeunes youtubeurs, où en gros on pouvait tous participer, on avait plus de 150 voire 200 vidéos. J'y ai participé, j'ai fini deuxième. Et quand j'ai fait le montage de ces deux jours qui étaient quand même assez incroyables, il y a un fichier, un rush que je n'ai jamais retrouvé et que je voulais absolument. C'est le rush où en fait le public réagit quand ma vidéo est projetée sur l'écran et aussi quand le jury aussi met leurs notes, etc. Et ce fichier je ne l'avais pas retrouvé et hier je fais un peu de tri dans mon disque dur et entre deux vidéos de Skinautique je vois la vidéo en question. Elle dure seulement 3 minutes. Donc en gros voilà, donc la vidéo c'est ça, elle dure 2 minutes 30, c'est filmé à la GoPro, etc. Donc pour ceux d'ailleurs qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir tout de suite et manquer juste ce rush. Bref, on passe tout de suite à la vidéo, on va réagir à la réaction du public et du jury de ma participation au concours Yop. C'est parti. Allez, c'est parti, on regarde ça. Dites-vous que sur le grand écran qui est derrière, il y aura ma vidéo que j'ai tournée, j'ai tout fait de A à Z, tout seul, etc. Et dites-vous que derrière cette caméra, il y avait tout le rez-de-chaussée qui était plein. Et dites-vous que là, sur le plan, là du coup, on a le Checkup, donc une youtubeuse qui est quand même assez connue, Tonio Life. Et là, on a Théo Gordier aussi, donc trois youtubeurs qui sont du coup le jury, qui sont assez impressionnants. On a ici Marion et Enzo, du coup. Et ici, là, le DJ, c'est le frère de Kev Adams. Vous savez, les enceintes et tout, enfin, c'est incroyable de voir sa vidéo en fait mise comme ça sur aux yeux du grand public quoi. Et franchement, je vais mettre des posts tout le temps, je vais être trop chiant. Mais franchement, cette vidéo, dans la réalisation, j'ai l'impression d'avoir suivi une structure de fou, mais que j'ai super bien réalisé. Alors que la vidéo, je m'en souviens, je l'avais écrit en cours d'histoire géo un matin quoi. Et je l'ai tourné l'après-midi, j'ai monté le soir, et puis le soir même, elle était sur le concours Yop quoi. Un petit rire, hein. Le petit rire amical quand même, c'est le rire, l'histoire de dire bon, personne rigole alors. Alors on va rigoler pour toi. Merci David, ça fait plaisir. Vous avez entendu? Il y a des rires derrière de gens que je ne connais pas. Donc moi quand je fais rire des inconnus, c'est là que c'est marrant. Alors là pour moi, là franchement, là j'étais sur la scène, j'avais les yeux, mon gars, j'étais tellement heureux. Cette blague, parce que c'est une blague osée, on va pas se mentir, c'est Yop qui organise le concours. Je dis ouais bah comment Yop te voit quand tu bois un Yop, c'est que tu leur donnes de la thune. La blague était complètement osée et t'as tout le public du coup qui a explosé de rire. Est-ce qu'on pourrait écouter à fond cette réaction? Attention, c'est parti. Quel bonheur. En vrai, c'est trop. En fait, je sais même pas. Genre, peut-être qu'il y en a et parmi vous qui ont déjà ressenti cette sensation, mais c'est juste incroyable. Ça fait trop rêver, c'est tout. Juste ces applaudissements et tout. Et t'es là en mode waouh. C'est la consécration. En fait, quand tu fais une vidéo, tu la penses, tu l'écris, tu la tournes, tu fais le montage, tu la publies, et dans toutes ces 5 étapes, t'as l'impression que c'est nul. Et après, quand tu la sors devant tout le monde et que tout le monde est en mode waouh, toi t'es en mode waouh, c'est incroyable. Non. Oui, non. Donc là, maintenant, on va voir les notes du jury. Donc pareil, là, c'est quand même des notes qui sont hyper importantes. Voilà, alors, excusez-moi, mais ils vont expliquer après, mais juste quand tu vois ça, toi tu fais ta vidéo, tu vois que Tonio Life te met une pancarte pro en mode juste, t'es un pro, que demander de mieux? J'ai trouvé ça super original, super drôle en fait, des petites scénettes comme ça, c'est le genre de truc que je peux pas faire sur ma chaîne, donc j'ai trouvé ça cool. Il s'est bien joué en plus, hein? Ouais, très bien, ouais. Ok, Checkup, on est sur du waouh? Ouais, on est sur du waouh, ouais, un bon scénario. Voilà, Checkup qui te met un waouh, enfin c'est une bonne chute, enfin, j'ai beaucoup aimé ça. Et alors, toi, bon, t'as tout donné de carrément. Ouais, bro, j'ai kiffé. En plus, il a osé tenter la blague par rapport à la marque. C'était super. Ouais, bref, les organisateurs. Pardon, pardon, s'il vous plaît. Les organisateurs du concours aussi. Ouais. Oui, il a pas hésité, ouais. Félicitations, on verra si c'est suffisant pour gagner le grand concours tout à l'heure. Et oui, moi, s'il vous plaît. Ouais. Au
Donc là, moi, en fait, là, vu qu'ils avaient déjà annoncé le troisième et que c'était ces deux personnes-là, donc d'ailleurs, Alexis, qu'on peut encore retrouver sur le compte TikTok Spectrisius, petite capture d'écran. Troisième, ils avaient fait une vidéo de fou malade, donc pour moi, si tu vois, on voit un peu à ma tête, je suis en mode bon, voilà, au moins j'ai fini parmi les finalistes. Tu vois, déjà dans la main, j'ai quand même une GoPro, c'était la dernière en date, c'est déjà quand même super bien. Cette vidéo, mais vous pouvez pas savoir comment ça me donne des frissons, c'est fou. Merci. Oui, regardez. Pareil. T'es là, t'as la GoPro. T'es avec Black M quand même. T'es avec Black M, t'es au calme. Tu vois, que tu sois fan ou pas, tu peux. Enfin, Black M, c'est quand même la section d'assaut, tout ça. Enfin... Ouais, pareil. À quel moment tu peux te dire, bon, moi j'étais sur scène avec Black M. Ouais, ouais, je sais, ouais. Il faisait son petit concert, j'étais avec lui, tranquille, ouais, voilà. C'était le 9 octobre 2017, on est le 4 mars 2021, donc là ça va être l'année des 4 ans de ce concours, enfin c'est complètement fou. D'ailleurs en parlant de d'années, au mois de mai ça fera 5 ans la chaîne YouTube, 5 ans qu'on est sur YouTube, et ce serait cool qu'avant les 5 ans on ait les 1000 abonnés. Bref, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager, à la liker, à mettre un commentaire, ça me fait trop plaisir de revoir ces genres de vidéos. On se dit à très bientôt les amis, c'était Tony Bro, salut.